بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين deuxième partie de hadith qui nous a expliqué hier Fajr. رسول الله صلى الله عليه وسلم تيجي عبد الله بن عباس رضي الله عنه كتير كون زافا، et quand on a pour demander, demande direct avec Allah subhanahu wa taala. Alors donc hadith Ali continue, il dit وإذا استعنت فاستعن بالله، quand on a pour chercher aide seulement avec Allah subhanahu wa taala. Qui veut dire demande quelque chose qui personne pas capable de nous accepter Allah. Nous ne pouvons pas chercher avec idole, avec du monde mort, avec créature invisible. Nous cherchons seulement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enseigne à Abdullah bin Mas'ud, à Abdullah bin Abbas radiallahu an, c'est quoi tawakkul? Tawakkul, dépendance. Il y a un mot qui est facile. Beaucoup de monde trouve facile. Je veux dire, non, moi, je dépends de Allah. Moi, juste Allah. Je ne paye personne. Ou bien, je dépends juste de Allah. Je place ma confiance juste dans Allah. Et dans la réalité, il pense à faire simple ça. Dans la réalité, il pense à faire simple. Il faudrait que vous trouviez dans une situation difficile pour connaître vraiment qui est au niveau de tawakkul. Parce que dans une situation, Allah subhanahu wa ta'ala va mettre tout dans une pousse ou à bout. Pour guetter vraiment qui quantité ou na iman. Hatta yaqul ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah. Jusqu'à que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ben sahaba, je te puis envie, Allah soit aide vite vite. Citant situation là, il dit. Alors donc, nous, frères en islam, en tant qu'êtres humains, nous peinons à sacrifier résistance là. Non? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on nous faiblisse, il n'est pas testé nous. D'un niveau qui nous pas capable de tenir. Ça veut dire quand nous sommes capables de résister à certaines mantis, qui veut dire nous tawakkul faux. Non, non. Nous tawakkul très faible, nous. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il donne nous mantis facile. Limite de difficulté qui est très léger pour nous. Si Allah subhanahu wa ta'ala, si met une difficulté vraiment difficile, mais nous finissons tomber, nous finissons kiddin, nous finissons, veut dire, abattre. Alors donc, si nous gagnons, tis qui ban prophète une gaye, nous dis pas capable. Qui conseille tawakkul nous ina. Tout le monde qui est naïman, je crois dire non, mon tawakkul sans solide, moi comme affaire. Mais ce qui si tis qui tu fin vin le prophète vin le, capable tini ou? Pas capable tini. Est-ce qui tis qui fin vin le ban sahaba vin le, pas capable tini ou pas capable tini? Qui veut dire ça? Qui veut dire que ou tis li par rapport à au niveau de iman, nous iman faible nous tawakkul li faible. Veut dire qu'il est fragile pour comparer avec les autres. Mais nous besoin faire des efforts. Qui veut dire qu'à chaque fois qu'il teste vin l'eau, nous résister, nous n'a pas, veut dire, nous pas fail. Parce qu'il nous teste, il n'est pas sa qualité extraordinaire. Quand vous êtes dans les autres, dans le peuple auparavant, tu peux torturer les autres à cause des autres musulmans. Qui veut dire que tu peux torturer les autres? Ce n'est pas qu'on en est, on fait une bêtise, mais tu es en prison des ans, trois ans, là-bas, on gagne manger, boire. Ou peut gagner pour faire l'exercice, ou peut gagner pour badiner, ou peut gagner servir portable. Auparavant, testi dans une façon que tu amènes nous, prends leur sort, coupe pour la tête, en dé. Ou encore vivant à ta sou, prends leur sort, coupe pour la tête. Dans ce lien-là, est-ce qu'ils renoncent à l'islam, ou bien on place sous confiance dans Allah. Ou trouve, prends madame, tu es devant où, aux enfants, tu es devant où, prends eux, mets eux dans du fait, ou bien dans une caraille, de l'huile. Alors donc, alhamdulillah, nous ne pas gagner sa bantis là, nous. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut dire dans le Coran وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا. Allah connaît qui est une faiblesse dans nous. Mais seulement, nous avons besoin, dans notre test là aussi, il ne faudrait pas qu'il, là aussi, nous déraper de confiance dans Allah. Alors donc, une façon qui est capable de remonter nous, veut dire nous iman d'Allah, remonter notre confiance, notre tawakkul, parole que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il nous besoin de réfléchir là. وَعَلَمْ connaît. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit avec sa tigre au son, wa'alam, law ijtama'at al-insu wal-jin, si tout insan, l'eau la terre, combien insan est-ce qu'il y a 8 milliards? Plus qu'il y a 8 milliards?
Là-dedans, combien il a beaucoup d'argent, combien il a pouvoir, combien il a la force, combien il a hommes. Alors, qui quand c'est l'armée, ça 8 milliards. Ou le djinn, ça veut dire si insan 8 milliards, imagine djinn, plusieurs fois plus. Alors, et djinn, qui calcule la force de Téna. Vous êtes capable de prendre un objet plusieurs tonnes, vous êtes voyagé dans l'espace quelques secondes, quelques minutes, pour transporter à une autre place. Pareil, comment? La reine de Saba, Balqis, côté là, Rifrit, Minel djinn. Rifrit, c'est un djinn, une race djinn qui t'y faut, ici, transporte le trône de la reine de Saba. Alors, vous êtes à la fosse. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, si tout insan avec tous autres la fosse, et tout djinn avec tous autres la fosse, vous êtes comploté, vous êtes venu ensemble pour faire toi dito. Alors, donc, en premier, si vous êtes tous venu ensemble, et ben djinn aussi, pour faire toi du bien, pour aider toi dans quelque chose, pour faire toi marcher un tigit, pour faire toi te narciser pour lève toi, pour faire toi débouter. Si tu peux débouter, pour faire toi marcher un pas. Si tu peux allonger, pour faire toi assiser. Aussi simple que ça, vous n'êtes pas vous capable. Sauf si Allah fait une décrète pour toi. Sauf si Allah fait écrire dans ton destin. Parce que ce matin, nous faisons une cause concernant destin. Qui tout qui chose fait écrire dans le livre du destin. Qui nous peut faire aujourd'hui? Qui peut arriver nous t'aller? Qui peut arriver nous demain? Il finit écrire dans le livre du destin. Alors donc, si dans sa destin-là, dans nos destins, peine a une petite chose en plus, alors si le monde vient ensemble avec ce djinn, avec ce insan, avec tout ce l'argent, avec tout ce pouvoir, vous n'êtes pas capable. Profite-toi même une petite chose aussi banale, te peux assiser, lève-toi. Ou bien, te peux allonger, fais-toi assiser. Aussi banal que ça, je ne suis pas capable. Parce qu'il n'est pas écrit le destin. De l'autre côté aussi, pareil. Alors, petit garçon là, juste fait vision, Abdullah ibn Abbas qui peut faire, il peut fixer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il peut écouter attentivement. Ça veut dire que ça, c'est une formation qui peut donner à ses enfants là, pour par la suite, ça bénéficier lui, parce que les enfants comptent pour bénéficier de sa parole. Mais par la suite, qui sa parole là pour bénéficier lui. La même chose si un djimon veut dire kafir, ben, non musulmans peut comploter contre nous. Alors, avec tous les autres ben, arsenal, l'armée, la police, le gouvernement, les hommes, tout ben, les histoires qu'ils ont été là, tout le djimon vient ensemble. Parce qu'il a 8 milliards comme musulmans. 2 milliards, 6 milliards non musulmans. Là-dedans, la plupart, l'ennemi avec musulmans. Et tous les hommes dans notre armée, ceux qui fabriquent les hommes, ceux qui ont tout contact, tout van quelque chose dans notre armée. Alors donc, est-ce qu'ils sont capables, veut dire, égratignez-nous, égratignez, pas seulement blesse-nous, égratignez, veut dire, juste griffe-nous. Vous êtes capables? Non, vous n'êtes pas capables, si pénal dans nos destins. Si pénal dans nos destins, personne n'est pas capable. Personne n'est pas capable de faire nous ni du bien, et nous ni du tout, si pas de manquer dans nos destins. Voilà, tarbiyat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui fait aux bons enfants mettre ça dans eux, ça tawakkul, ça l'attachement avec Allah. Mettre sa relation entre eux avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tout qui chose centrer l'eau, l'iman de Allah, l'amour pour Allah, la crainte pour Allah, dépendance selon Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est très important. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aussi fait de nous une leçon extraordinaire. Que pas seulement cause quitte aux enfants aux enfants. Alors ça, c'est nous notions dans nos cultures. Qui en dit aussi, pas comme ça, pas qu'on écoute ça, nous là, c'est ça dans l'île Maurice. Les enfants, nous les tirer imbéciles. Les enfants là, il y en a 5 ans, causent quitte aux imbéciles. Il y en a 7 ans, causent imbéciles. Quand les enfants là, peuvent demander de causer, c'est aïe et pas cause grand du monde. Nous fait lire c'est imbécile. À cause ça, là, nous gagnons une société imbécile. Alors donc, par contre, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, get qui qualité causer les chipé cause avec bons enfants. Qui veut dire bons enfants là? Je ne veux pas des enfants qui ne veulent pas t'y connaître les autres de la vie d'enfant. Ça aussi un extrême qui est très dangereux. Où vous allez laisser les enfants vivre comme des enfants. Les enfants, vous allez vivre comme des enfants. Adultes, vous allez vivre comme adultes. Il ne faudrait pas nous rasser l'enfance des enfants de sur la vie. Ibn Abbas, c'est des enfants, c'est chipé jouer, le chipé badiner. Mais en même temps, tu peux inculquer ben information dans notre subconscience qui demain, quand tu deviens adulte, ça bénéficie aux autres. Ça veut dire que nous, c'est pareil. Nous, bons enfants, parfois, c'est un moment dans la vie, une fois par semaine, une fois par mois, si c'est cause qui te soucie, demain pour moi ou mon garçon. Demain pour moi, toi qui t'es obligé de prendre ça.
Demain, mon poumon, toi qui vous besoin rouler mon business. Demain, pour arriver, moi, ça, toi, tu as besoin de ton maman. Tu as besoin, demain, moi, je te sais. Tu as besoin de faire ça. Besoin, cause sa qualité qui sont là aussi, avec les enfants. Pas essayer de te connaître. Qui t'a un appel, non, pour faire finir les sons, tout. Allez, des dessins animés, ton manjeri. Quand ma tête, tantôt, si ton manjeri, qu'ils ont fait là, ils vont entrer les races à eux-mêmes. Il y a besoin d'entrer Sahaba. Il y a besoin d'entrer ban Mujahideen. Alors donc, nous pouvons faire beaucoup errer, nous faire beaucoup errer pour qu'ils aussi nous trouvent nos communautés faire sa grain. Communauté là faire sa grain quand guetter, peine une structure, pas qu'on est côte pied aller, un pied sa direction là, l'autre là pied direction là, l'autre là un trou ça bon, ça un trou ça bon. Nous en bas là haut, connais comment dire, peut mailler, dans peut démailler nous peut nous plie bien. Alors donc besoin faire doit avec Allah subhanahu wa taala, donne sa génération qui peut monter là. Donne-nous l'iman et donne-nous la connaissance. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.